Événement incontournable hier soir à Saint-Cyr-sur-Mer, c'était sans pression l'événement attendu par les Saint-Cyriens avec beaucoup de monde. C'était musique, food truck, de la danse et une superbe ambiance encore hier soir. Écoutez, c'est vrai que c'est certainement incontournable, mais ce que je constate, c'est qu'il y a effectivement une très forte fréquentation. Et je crois que ça répond à un besoin. Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des manifestations et quand il y a de la convivialité, quand il y a de l'échange, quand il y a de la détente, eh bien, je pense que c'est comme ça qu'une ville doit fonctionner. En tout cas, je sais que les services ont fait le nécessaire pour que l'on assiste à une très belle soirée. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tout le monde. C'est un événement attendu par les Saint-Cyriens et puis nos amis du territoire. Nous avons agrandi l'espace compte tenu de la manifestation 2023 où on manquait de place. Donc cette année, nous avons agrandi, nous avons sollicité un peu plus de food truck. Donc nous avons de quoi se restaurer, de quoi boire. Une belle fête à Saint-Cyr-sur-Mer où nous attendons un peu plus de 2500 personnes. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.